Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va vous rappeler en quoi consistent les phrases simples et les phrases complexes. Premier appel, un verbe conjugué égale une proposition, ce qui signifie que tout groupe de mots qui contient au moins un sujet et un groupe verbal s'appelle donc une proposition. La phrase simple est donc composée d'un seul verbe conjugué, ce qui signifie qu'elle n'a qu'une seule proposition. La phrase simple est une phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué et ne comporte donc qu'une seule proposition. Ainsi, dans l'exemple « J'ai tué Méduse » et « tuer » est l'unique verbe de la phrase. Il n'y a donc qu'une seule proposition, c'est une phrase simple. À l'inverse, dans une phrase complexe, il y a plusieurs verbes et donc plusieurs propositions. Ces propositions peuvent être reliées par des signes de ponctuation, par des conjonctions. Ainsi, dans l'exemple « J'ai capturé Méduse et je lui ai coupé la tête », deux verbes conjugués, deux propositions, donc une phrase complexe. On récapitule. Ce qu'il faut retenir, c'est que un seul verbe conjugué signifie une seule proposition et que c'est donc une phrase simple. À l'inverse, plusieurs verbes conjugués signifient plusieurs propositions et nous sommes dans une phrase complexe. Et voilà !